Big L, rest in peace. Rest in peace. If you wanna mess with this, one of the best yet. We've got it. Salut tout le monde, Sandy, Pop New School, on se retrouve pour cette énième vidéo, j'ai arrêté de compter. En top rock du coup. Je voulais en faire que 4, mais au final, il n'y a pas assez pour détailler. Et du coup, j'ai décidé de continuer un petit peu dans le top rock. Là, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit bonus cette semaine. En plus de la vidéo de training en top rock que je vais vous faire, je voudrais vous donner juste une petite, un tout petit combo que j'aime bien et souvent qu'on oublie en fait. Donc c'est la combinaison entre le kick side, donc le kickball change et l'Indian step. Voilà. Et bah tout de suite on y va, c'est parti. Feu. Allez, on fait une petite vidéo bonus de pas très longtemps pour donc voir juste un petit combo basique, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a bien pratiqué ces top rock, donc le passage donc du salsa step comme on l'appelle, ou encore du kick side, kickball change, il a plein de noms. Donc celui-ci, clac, clac, clac à l'Indian step. Donc celui-ci, ta 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 ta. Ok, donc passer de l'un à l'autre, c'est important parce qu'en fait ces deux steps, ils sont exactement de la même famille. La différence, c'est juste la dernière jambe, elle va juste à un endroit différent en fait. Voilà. Donc on va commencer direct. Donc on fait un kick side. Moi je kick jambe droite. Pa, pa, pa. Ok, direct. Je vais venir kicker gauche et je m'envoie un Indian step. Pa, pa, pa. Ok, donc de là, je vais re-kicker. Et en fait, je vais refaire un kick side. Pa, pa, pa. Et là, je repars. Kick gauche. Bim, et j'envoie un Indian. Pa, pa, pa. Ok, donc si on le fait un peu plus vite. 7 et 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. Ok? On va le faire de l'autre sens. Tout de suite. Kick gauche. Pa, pa, pa. Kick droit, Indian step. Pa, pa, pa. Kick side. Pa, pa, pa. Indian step de nouveau. Pa, pa, pa. Ok? Donc c'est une boucle. Et du coup, c'est vrai qu'on commence à répéter dans le même sens. On se fait un peu plus vite. 7 et kick et hop. Indian step, kick et hop et Indian step. Ok? C'est bon pour vous? Une fois que vous avez ça, j'ai envie de dire, si vous avez par exemple des variantes d'Indian step, vous pouvez la remplacer. C'est-à-dire que j'envoie un kick side, tac, 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 et derrière, au lieu d'en mettre une base d'Indian step, je vais venir y mettre une variante. Donc par exemple, pa, 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 pa. Ok? Donc avec la rotation. Ou alors, je peux faire. Pa, 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 et pa, pa, pa. Ok, donc des variantes d'Indian step, il y en a un paquet. Donc vous pouvez les mettre où vous voulez. Ou alors vous pouvez répéter Indian step par exemple. Pa, 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 ta, 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 ta. Ok, j'essaierai de faire une vidéo sur les variantes d'Indian step parce qu'il y en a tellement qu'il y a moyen de s'amuser aussi. Voilà. On va se faire un peu en musique tranquille.